partir. À la mine. Pourquoi y'a un loup là? On a pas besoin de viande. Non, c'est pas Zef. On va y arriver. J'essaie de trouver des voitures, moi. Vas-y. Ah, ça frise, ça m'énerve, ça, des fois. Je suis pas loin de toi, Nick. Quoi? Mais il y a des voitures, ça. Mais c'est parti. En démontant des voitures, je gagne du gasoil. Ah bah oui, ah bah c'est du four. Hein. Du coup, je vais avec ma moto, je me balade, je pète des voitures. Hein. Je serai jamais en panne en fait. Bon là en termes de béton je vais vous régaler. Ah. Parce que j'ai 700 de ciment sur moi donc il y aura plus qu'à en faire du béton derrière. Nice. Après bon j'ai 400 pierres à pavé, c'est déjà ça. Non mais les pierres à pavé c'est bon là on va plus en avoir trop de soucis surtout que je suis en train de reminer à fond là, dans la montagne qui est à côté de la chapelle dans la ville Saint-André. Moi je suis dans la ville de Nez. Plein de voitures. Je le savais. Et en vrai, c'est, je pense que j'aurais pas pu trouver mieux que la lunette de vision nocturne pour aller miner. Il y a 2600 pierres à pavé en bas. 2600, bah ça fait. Ça me fait 260 blocs. Bon, on voit ça.
Oh putain, il m'a fait berline. Oh, le puma qui sort de nulle part là. Déconner. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai une batterie niveau 4, Léo. Ah bah c'est good. Ça fait une batterie. Y'a un boss sanglier, tu l'avais déjà vu, hein, Kevin? Un boss sanglier? Un boss? Ouais. Tu me dis, hein, c'est un boss sanglier, l'autre c'est un boss. Bon bah il est mort. Un sanglier? Vas-y, prends un screen, va. Bah. Mais il est où, genre dans... On revient. Parce que je sais, dans la deuxième maison, il y avait un sous-sol que j'avais pas vu la première fois. Ok. Alors. Ah, il y a des chiens ici. Si on arrive à choper du j'ai pas du tout le nom. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Je sais plus du tout. Plomb? Non, c'est pas le plomb. Bah, même si en soi le plomb, oui. Hein. Pas forcément le plomb, je voulais dire. Ah, je vais la retrouver. Quand on recycle du plomb, on a la même quantité que si on le fait fondre. Enfin, après, enfin. Oui. Avant, oui. Oui. Je peux le recycler dans mon sac. Enfin, je pense, oui, mais du moins, oui, c'est. En tout cas, ah, il y a des éclairs et tout, Blood Moon, à mon avis, là, non? Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a certains crafts que je ne peux pas faire sans avoir certaines choses. Plein de trophées en plomb et tout, je recycle là. Ah bah vas-y, prends. Le plomb. On va en avoir besoin. Si jamais, c'est à Blood Moon, par contre, tout le monde interrompt et on rentre à la base, hein, on est d'accord? Oui. Des chats partout là-dedans. Moi je suis dans un chenil. Ça peut justifier le problème. Ouais, mais il y a du monde là-dedans là.
On sait à quelle heure à Blood Moon déjà? 18. C'est vrai. Oh, je sais pas, peut-être pas l'air en fait. On verra bien de toute façon. Ouais. Je refais une centaine de pics au préalable en bois. De toute façon, c'est en fer, bon, écoute, c'est un peu. Oh, il y a un ours. Oh. Ça reconnaît, c'est pour moi. À la WWE. Voilà, problème réglé. T'as fouillé dans cette baraque là? Oula, oula! Quoi? Bah, comme d'habitude, hein, j'ai des zombies tout de moi. Ah bah, tu vas bien là. Ça m'a surpris. Ouf! Je viens d'arriver devant le marchand, le temps de tuer l'ours et de dépecer 6h05. C'était calculé. Bon, ça va, l'habitude. Oh, mais y'a des chiens là. Oh, y'a un mégalou. Et c'est parti. C'est quand même méga coriace, hein, les gros loups. Hein. Oui. Alors j'ai plus de place à moi. Radiateur en laiton, besoin. Mais tu recycles en train de... Ouais, c'est pas mal, je demande si tu peux recycler ou pas. Mais oui, le radiateur en laiton, ça fait partie des objets que je pense qu'il faut recycler. Ok. À moins que ça serve pour les bagnoles, peut-être. Mais... demander au mécano, ça. J'en ai pas vu. Là, tout ce que je pouvais craindre en termes de véhicule, j'ai fait quasiment. Ouais, donc. Allez, niveau 29. J'ai un cliquet, ça sert ça? Un quoi? Un cliquet. Ah oui, une clé à cliquer. En gros, c'est plus intéressant pour démonter les voitures que ce qu'on utilise de base. Ah oui, oh oui. Ouais. Et comment ça s'appelle, le steel polish, ça sert à quoi? Alors ça, il faut prendre, c'est donc une fois qu'on aura amélioré donc nos blocs en métal, donc en acier, on pourra les améliorer en acier poli, je sais pas quoi. Alors devinez ce que je viens de trouver. Une 83ème AK-47. Non, mieux. Non, je me demande s'il a pas trouvé un lance-roquette. Non, non, pas lance-roquette, pas à ce point. J'ai trouvé une mitrailleuse M16. Ah ouais. M60 tu veux dire, non? M60 plutôt, ouais. Il faut mettre une batteuse. Mais je te la donne, Nico, si tu veux. Non. Bah après, tu peux la donner à... Oui, ou à Cola. Ou à Cola, puisque Cola, il a qu'un snipe et un flingue, donc... Bah, tu feras jouer que c'est... Attends, je vais juste essayer, vite fait. Ah oui. Je vais juste l'essayer. Ah, c'est à 350 balles. D'accord. Bon bah attends, je recharge. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah je pense que... Ah non, ça en prend 84 en fait. C'est déjà beaucoup. Vous savez que pour récupérer les balles d'une arme, vous faites juste modifier, ça vous donne les balles. Ouais. Ouais, j'ai oublié au cas où. Non, pour moi. Qu'est-ce que je peux jeter en... Les bruits de verre. Lampe torche, je recycle. Boom. Des attelles, j'en ai déjà. Une machette, ça intéresse quelqu'un niveau 4. Oh, je pense. Faut pas que ce soit le plus intéressant. Hein. Ou du fer, un peu. Place, hein. Bon, le houblon, j'en ai sûrement, on s'en fout. Le café aussi. Ouais, je prends quand même la chaîne. Voilà, on s'en fout pas mal.
Ok, j'ai trouvé un filon de fer, c'est bien, ça va refaire un peu de fer en stock. C'est que j'ai faim et que je... J'ai froid. Alors, pif pouf. Bon, du coup, je disais que j'avais besoin de graisse animale pour mes plats et tout, mais j'en ai chopé 200 là, dans ma position. Ah oui. Donc ça va. J'ai un zombie juste au-dessus de moi, dans ma... juste au-dessus de ma mine. Tout va bien. Il est mort. Parfait. Allez. Oui, je veux pas rentrer. Hein. C'est prouvé. Aïe. Oh, les véhicules, c'est tellement bien quand t'as des petites rampes. Du coup, je rentre. En vrai, la pioche en acier, c'est quand même c'est pratique. Si un jour je me prends dans un éboulement, vous irez me sauver? Oh, ça dépend de la quantité. J'ai déjà 8000 de fer sur moi. Bon bah alors peut-être que oui alors. Faudra envisager les possibilités. Et la dynamite. Il y a un pigeon maudit là. Ah, ah oui, des vautours. Des vautours, ils sont horribles. In... Les zombies, ils viennent me faire chier dans ma mine. C'est incroyable. Le
fois chez Zombie avec la moto, ça allait one shot. Je peux pas travailler tranquille sans qu'on vienne m'emmerder. Oh là là. C'est un signe d'affection. Ouais, bah oui. C'est pas très réciproque avec les zombies. Hein. Vraiment qu'on creuse des routes hein, dans chaque direction parce que la montagne c'est le bordel. Ce filon ne se finira jamais. Je vous préviens, je suis là pour encore 2 ans. Hein. C'est du fer ou du bois? Ah, c'est du fer, hein, mais du fer là, je n'arrive pas moi. C'est toujours le même filon sur lequel je suis. J'en ai 15 000. Moi, du fer, j'en ai 700. Alors, c'est plein de trucs. Hein. J'ai déjà abîmé ma pioche en acier. 89 jarres pourries, ça c'est bien. Oh, parfait. Ciel, boum, 17. Je vais ramener un peu de plomb aussi, on a 3% de 10. Hein. Cola, t'es où? Moi je suis dans la ville, je fouille un peu partout. Ok. Il y a du charbon maintenant. Ton nouveau bébé. Nouveau bébé? Oui. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'aime bien mon petit pistolet aussi. Et j'utilise pas beaucoup de balles. Tu vas vite l'oublier. Oh, t'inquiète pas que la batteuse, tu seras bien content. Pas la bonne main. Mais c'est surtout, ouais, quand il y aura beaucoup d'hommes sur toi. Ah ouais, ouais. C'est pas pour tirer, parce que les balles, ça va partir vite avec ça, à mon avis. Hein. Non, j'ai du sable qui me tombe sur la gueule. Bon, t'as des raisons d'arriver entre midi et 15h45, il est 15h37, il va arriver à 45 degrés. Je vous préviens, je me perds dans mes mines. Hein. Je les ai commencé il y a 2 heures, mais enfin il y a 6 heures. Mais... Hein. De quoi? Tu vois la chapelle à côté de la ville en cendres? Ah oui, non, ok. Il y a une grosse montagne. Non, mais c'était pour savoir si elle faisait genre juste en dessous de la base ou pas. Ah non, non, justement, j'épargne un peu. Oh, j'ai une lunette x8. Oh, une x8. Bah écoute, t'as l'arme. On a une à la base aussi. T'as l'arme pour un sniper, ça. Ouais. Je dois refiler mon sniper donc. Ouais, il faudrait une x2. Bon, je te mets la M16 dans le coffre. Okay. M60. M60, mais ouais, mais... Ouais. Cartouche par minute, 422. Hein. Ah. Ouais, c'est beaucoup. On n'aura pas 400 à mettre en une heure. Hein. Remarque, la casse est 366. Et dégâts distance 47, taille de magasin 66, la 47 c'est dégâts distance 51. Que... Voilà, la K niveau 4 c'est mieux. Ouais, bah c'est tu vas l'utiliser je pense pour la Dead Moon hein, en vrai. Après elle est niveau 1 aussi. Ouais. La 60. Oh, je peux rentrer. En vrai, ce que vous devriez faire, c'est dans vos motos et tout, vous laissez genre un peu d'essence dans le stockage. Enfin, ça. Hop. Ça, je racheterai jamais quoi. Alors, j'ai du miel là, j'ai pas mis. Tes sous, je les mets où, Neko? Les billets là. Là, c'est en bas, je les prendrai en passant. Je les mets dans les matériaux. Là. Oh.
Oh! Mais. Quoi? Je suis en train de tranquillement looter, je me fais attaquer. Moi, t'as avec le puma qui s'en nulle part. J'étais dans un garage, je défonçais une voiture. Et là, je me prends des gars, je me retourne, il y a un méga. Méga tigre qui m'attend. Un méga tigre puma. Bah, tu sais, les pumas ils sont énormes. Oui. Parce qu'on chassait à Léo là. On leur mettait des têtes. Dans notre séance de chasse. Ouais, c'est ça. Alors, cool. Nourriture 42 sur 129. C'est un peu bizarre quand je vais sortir de la mine parce que je vais arrêter la vision nocturne. Parce que là, ça fait grosso modo un quart d'heure que j'ai la vision en noir et vert. Intérieur. C'est pas. Ah, j'avais peut-être pas posé en fait la graisse animale tout à l'heure. En fait, on a 240 et je suis parti avec 200. On a 11 de miel aussi. Je pense qu'en termes pour faire l'équipe de réparation, on aura assez de fer. T'es sûr? J'en ai. Je suis toujours sur le même filon, hein, je tiens à dire. J'en ai. 30 000. Hmm. Et j'ai pas fini. Heureusement que je prends que deux coups de pioche pour péter un bloc de. Une parcelle de fer. Hein, parce que vraiment, ça, j'aurais jamais fini. Retournons explorer. Je crois que j'ai encore une. Du coup, j'ai mis une batterie niveau 4, mais je peux en trouver des moins bien pour. Parce que c'est un craft, c'est ça? Non, c'est pas pour un craft. En gros, le but, ça va être de prendre des banques de batteries. Pour pouvoir, en gros, les banques de batteries, c'est littéralement, en gros, ça permet de recharger les batteries, mais aussi de stockage d'énergie. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir. Plus on level, mieux c'est, quoi. Voilà. Et comme ça, ça fait. 4, c'est bien. Et comme ça, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser les panneaux solaires pour stocker de l'énergie pour le matériel et limiter la consommation. Mais ça existait pas, les panneaux solaires avant. C'est un mode, du coup. Non, ça existait. Ça existait, mais. J'en ai vu à l'existence que très tardivement. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. C'est vrai. Et voilà. Donc on va pouvoir faire. J'ai déjà posé les panneaux solaires, hein, je les pose sur le toit du bâtiment. Le premier bâtiment. Si je veux du maïs, là il y en a l'infini dans ce champ là. Je me suis mis une flèche en repère, hein, vraiment, parce que là. Parce qu'autrement, je vais me paumer. Ouais, y'a un manoir rendu une montagne dans la neige, trop stylé. Une sorte de château. Ah oh.
Ah ouais, du coup, j'ai pas le méga 5D. Ah ouais, c'est l'idée. Enfin, dans les grottes, j'étais pas allé. Hein. C'est bon, j'avais l'idée. On l'aperçoit. Je vais le checker. On dirait que je suis. Où je suis, c'est pas loin. D'accord, ils sont dans le toit les zombies, je crois il y a autant de monde. En fait, je vois personne. Ça fait la troisième aujourd'hui. Ah non. La troisième hurleuse qui est au pied de ma mine. Oh, il y a un sanglier. Yep. Policier et Non mais c'est pas possible. Arrêtez. Voilà, allez dégagez tous. Merci. Je peux pas miner tranquillement. Dans une vieille pharmacie, il y a plein de seringues, il y a plein de trucs. Plein de... Je pas envie de m'injecter ce que tu trouves dans tes seringues. Non, moi non plus, mais. On les passe sous l'eau, puis c'est bon. On les passe sous l'eau, et puis c'est bon. Il y a un serpent. Mais. Ah, j'en ai jamais vu. Une fois un serpent, mais. Wow. C'est rare. Hein. Tu t'es fait bouffer par le serpent? Non. En fait, j'arrive dans une chambre, il y a un zombie, je suis le zombie. Et je me fais quand même attaquer. Il y a un terrarium à côté de moi. Et il y a un serpent quelque part. Bon, j'ai trouvé la salle des médocs. Alors là, je vous ramène du soin, les gars. Plein de sang, plein de bandages dans la telle, plein d'antibiotiques et même du saumon. Du saumon, c'est bon le saumon. On va faire des tacos. J'ai une lance en fer. Niveau 6. Niveau 6. Niveau 6. C'est bien. C'est cool. Parce que dis-toi qu'en gros, donc t'as 6 niveaux de rareté, on va dire ça comme ça. Et que les niveaux 6, on peut pas les crafter. On peut que les looter. Voilà. Trop bien. Ah bah oui. On peut les réparer, non? Oui, par contre, on peut les réparer. Ah. Que les objets sont réparables avec des kits et tout. Des stéroïdes. Oh merde, j'ai pété le sac. Oh, quel con. Tu veux, je t'échange ta lance en fer niveau 6 contre une matraque électrique niveau 6. Bon, en vrai, moi je vais prendre que les armes à feu. Hein. Je vais déposer la lance. Bah, garde une arme au corps à corps. Quand il y a un zombie, tu utilises ça. Quoi. C'est ce que je fais. Hein. J'ai des points américains personnellement. C'est pour te dire. Ah, bah d'accord.
Non, bah du coup, j'ai un sniper niveau 3, un fusil de chasse niveau 3 et un. Il dit quoi? Une matraque électrique niveau 6. Non, mais. Bon, bah je rentre, hein, c'était sympa. Ah, bah oui, bah. Alors, Nico, tu me dis que t'as plus assez de fer dans les 3 prochains jours, je te jure. je mène une enquête sur les usages de que t'en as fait, parce que c'est vraiment juste pas possible. Je suis même pas sûr qu'en 2 jours t'aies le temps de tout faire fondre. Sympa cette petite pharmacie. Alors même dans la poubelle à l'arrière, il y a des seringues. C'est beau ça. Le vaccin. Le vaccin. C'est les restes de vaccin. On va être vacciné les gars. On se met une quinzaine de doses, je pense que ça revient au même, non? Alors. J'ai des maigres restants d'études de biotechnologie, de biochimie que j'ai fait. Ça marche pas comme ça? Ça marche pas tout à fait comme ça. Oh merde. Pas tout à fait. Bonsoir, Colin. Ouais, il m'a fait peur, lui. Je suis dans mon inventaire, j'ai un truc qui roule. Ils sont sur les vélos, les zombies, maintenant? Ils sont mis en biclou. Ah, batterie en voiture en plomb. Ah bah oui, une batterie en voiture en plomb, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Et elle est... Elle est où? Niveau 2. Franchement, je vais récupérer de la neige et puis je vais rentrer tranquillement. Et on est reparti pour miner. J'ai même pas de terme. Comme ça, je vais vous faire des sorbets. Des smoothies plutôt. Faut pas tout comprendre. J'ai 27 points de compétence. Je sais pas quoi mettre. Bah, tu veux mettre quoi? Tu peux mettre dans les crafts, ou tu peux mettre dans des trucs que, par exemple de la régène de vie, un peu. Ouais, je pense que je vais faire ça. Dans le minage... Il y a aucun de nous qui sait faire des armes à feu là, enfin crafter en tout cas. Peut-être que j'en sais en faire un type. Si, je crois que je. Je crois que maintenant je peux faire des mitraillettes, je crois. Et dans quoi? Intelligence? Dans tout, t'as un peu dans tout en soi. Je crois que dans perception, par exemple, t'as les fusils de précision, dans force, t'as les fusils à pompe, je crois, ou un truc comme ça. Courage, t'as les mitraillettes. Agilité, t'as les flingues. Intelligence, t'as les tourelles. Ça peut être sympa, les tourelles. Ah bah, au final, oui. Mais pour ça, faut qu'on ait de l'électricité, faut qu'on ait beaucoup de choses. Une moto, ça peut rouler au fond de l'eau, trop bien. C'est de l'aquabike. C'est testé et prouvé. Par de meilleurs chercheurs. C'est-à-dire moi. Oh la moto, c'est vraiment la voiture. J'ai toujours pas fini, mais... En fait, je pense que le filon que je suis en train de faire est infini. Bah sinon, on met l'autre côté, De toute façon, à un moment, oui, hein, je vais le mettre de côté, je vais te forcer. Tu te rends compte que j'ai utilisé 3 kits de réparation pour le moment sur ma pioche en acier, hein. C'est...
à faire beaucoup. Oui, ça compte. Bon, bah, après, c'est rentabilisé. Hein. Dans le petit coup, vous avez du scotch, c'est bon, je pense que des. Tu veux, j'en ai 10 sur moi. Il y a bête, t'es en manque. Tu m'appelles. Non, là, je suis en train de virer un peu tout ce qui est. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Attends, merde. Où est la sortie? J'ai perdu la sortie. Pose la batterie encore, hop. Je suis perdu. Ah. Non, elle est là. Ok. C'est un peu con de se perdre dans sa propre mine. Oh, mais en fait, c'est juste que j'ai pas de point de repère hein, dans la mine. Hein. C'est. Je suis bien content d'avoir mis une porte à cette mine, hein, parce que vraiment, il y a un zombie toutes les 3 minutes. Soyez vigilant pour dans une heure. Ouais. Je vais à base. Ouais, je suis là. Alors. Du coup, je pose mon sniper. Alors. Bon, je recycle tout ce qu'on a niveau 1, qui hein. Sert à rien. Oui. Batte électrique, hop. Il y a la place dans les coffres, on a du fer comme ça. En plus, on gagne des pièces de fusil et tout. Voilà, c'est bien. Genre les troncs de long, hop, 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 hop. Gagne que niveau 6. On a combien de pièces de lance-roquette là-dedans? On a 34 quoi? Trouver le craft du lance-roquette. Alors je me suis mis en expert en démolition aussi hein, pour la mine. Voilà. Il faut générer avancé, ouais. Lance-enfer. Oh, c'est pas si dire que ça, le lance-enfer en fait. J'en sais rien. De se faire forger 2 de cuir, 2 rubans et 10 de bois. Faut juste se le faire forger. Ouais. Ça devrait aller. Oui. Je te proposerai d'aller jeter un œil après la prochaine journée à la mine. Tu. Je vais voir ça. Tu verras. Alors, un conseil et une lampe et une lumière, quoi, par contre, hein, parce que. Mais moi, j'ai mon casque de mineur et j'ai mon fusil voilà. Qui fait de la lumière. Ah, voilà, parfait. Il faut juste une lance qui fasse du feu et ça sera trop bien. Juste. Ouais, juste. Non mais quand la dernière partie c'était trop bien, trop pratique. Bon moi faut augmenter la bouffe que j'ai sur moi. Que j'aille me substanter. On est bien. Voilà, t'as pris la M60 voilà. Un beau bout de bien. Elle est dans le coffre à munitions. Enfin, à armes. Ah oui. Les affaires, hein. Oh, c'est une batteuse quoi. Ah d'accord, ok, j'ai cru que c'était une M16. Non, c'est grosse batteuse. Blood Moon! Oui. J'allais dire. Comment tu sais? Parce que. Regarde le chiffre en rouge. Ah! Oh, ça va être marrant. Ça sert à quoi l'alcool de grain? Ah, il y avait une mine. Mais elle faisait quoi? Il y avait une mine à côté d'un arbre. Bah, il y avait une mine dans ta mine? Non, pas dans ma mine, mais à l'extérieur de ma mine alors que j'ai fait 24 kills. Bon, t'as ta one shot? Ouais, c'est ma one shot par contre, c'était vénère.